années et le chronogramme qu'ils ont expliqué et montré tout à l'heure montre bien la volonté des membres de la CENIT à aller vers l'organisation de ces élections. Et également pour les signataires de la feuille de route et ceux qui seront candidats, donc la majorité ont déjà exprimé leur volonté de participer aux élections cette année. Et nous avons compris par rapport à la démonstration de Madame la Présidente que c'est le côté financement qui fait défaut actuellement. Dans ce cas, nous-mêmes, en tant que signataires de cette feuille de route, et que nous sommes pressés à en terminer avec cette transition, nous demandons à ce que la communauté internationale, notamment donc, les Nations Unies et la SADC, et entre autres ceux qui sont présents ici à Madagascar, prennent leur engagement à donner des indications précises quant au financement de l'organisation de ces élections. Parce que c'est ce qui manque maintenant, puisque la partie malgache a montré sa volonté et prête à aller vers l'organisation des élections. Et il ne reste plus donc que cet engagement ferme et définitif du financement de la communauté internationale pour que l'organisation des élections soit vraiment effective pour cette année 2012.